Voilà, c'est à tous les Galaxy, bon aujourd'hui sur FIFA, très heureux de vous retrouver pour la suite d'entre carrière avec le LOSC et Margalax, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on débute avec un match face au FC Nantes. Alors on devait jouer normalement, il me semble, face à Angers et après face à Amiens pour le derby effectivement face au LOSC. Le souci c'est qu'on n'a pas été sélectionné, je pense qu'on n'a pas été suffisamment performant. On a été plutôt très bon passeur, mais c'est vrai qu'en termes de buts, on n'a pas rempli les objectifs. Pareil au niveau du ratio de tirs convertis, donc j'espère qu'on va modifier ça et qu'on va réussir à mieux s'en sortir par la suite. Mais bon, c'est le début de carrière, c'est normal, il y a un petit peu de mal, c'est logique, hein, sinon ce serait pas drôle, il n'y aurait pas d'évolution. Alors regardez, on avait donc un match face à Angers, je n'ai pas été sélectionné, 2-1 donc du coup pour Lille, victoire, très bien, même sans moi ils gagnent, c'est super. Et ensuite match contre Amiens, par contre défaite, et oui, face à Amiens pour le derby, le 15 septembre 2018, et c'est bien dommage. On se retrouve donc le 21 septembre, mais nous sommes le 21 septembre, mais j'ai même pas fait exprès, non. Ah non, on est en octobre, merde. Putain, c'était pas loin, un mois près, dommage. Nous sommes donc face au FC Nantes, j'y ai cru. Nous sommes donc face au FC Nantes pour commencer aujourd'hui, et on jouera aujourd'hui également contre les Girondins de Bordeaux, si nous sommes bien sûr sélectionnés, je l'espère également, pour ce match. On est parti pour la suite, les amis, de cette Ligue 1 Conforama. Vous le voyez au niveau de Margalax, il est à la moitié de la note 67, donc Rode tout 68, et c'est vrai que grâce aux entraînements que j'ai eu entre-temps, eh ben écoutez, j'ai bien pu le faire progresser. Je suis passé sur des entraînements or, voilà, parce qu'effectivement, ça fait gagner plus rapidement en note notre joueur. C'est parti, on contrôle Galax, temps clair, c'est parfait, j'adore affronter les Canaries quand il fait chaud, quand il fait beau, comme ça au moins ça va les rôtir. D'accord, non, c'est pas vrai. Allez, petit échauffement, et puis après on est parti en match. Bim, la frappe, qu'est-ce qui se passe? Et bah, il se passe que je tire à côté, ça annonce du lourd. Ah oui. Bonjour à vous tous qui nous rejoignez pour ce match. Ça va Pierre? Ça va, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Et moi on me demande pas si ça va. Oh, ce manque de respect. Allez, c'est parti les amis pour cette nouvelle journée de Ligue 1 Conforama aujourd'hui. Engagement pour le LOSC, pour Margalax. Premier toucher de balle. Et on est parti, j'espère faire une bonne performance aujourd'hui. Et si possible, marquer un but, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas marqué depuis deux vidéos il me semble. Mais comme je le dis souvent, c'est pas grave, c'est assez logique au final. Voilà, on s'est un petit peu troué, tu m'as vu bien jouer. Allez Galax maintenant, sur l'aile droite. Pourquoi pas, une belle occasion, retour en arrière le centre. Attention, deuxième chance. C'est compliqué. Et centre réussi, ah oui, donc comme ça je fais progresser mon joueur aussi en faisant des actions pendant le match, c'est pas con, on l'a vu, c'est bien joué, la frappe tout de suite, c'était bien tenté. Allez, pour l'instant je n'ai pas tiré, donc le ratio de tir converti reste le même, ça ne bouge pas, 7 sur 10 hein, déjà pour Galax qui a effectivement mis le feu dans cette défense, et ça c'est plutôt pas mal. Allez, tu m'as vu mon pote, bon, je fais pas trop d'appels non plus parce que souvent j'en fais trop et après on se fait avoir. Ok, c'est bien vu, il n'y a pas de hors-jeu très logiquement, ça joue bien, c'est repoussé par la défense très acrobatiquement comme d'habitude. C'est vrai que ce jeu est très acrobatique. Hein. Allez, on est au centre. Tu m'as vu, gars. Tu m'as vu. Le centre pour Galax. Oui. Les appels de balle, c'est con. Mais il y avait le gardien, effectivement, sur le ballon. Et forcément, face au gardien, on n'a pas l'avantage. C'est normal. Vas-y, tu m'as vu, c'est bien joué. On envoie là-bas. Bonne petite passe. Ça fait tourner. Allez, Ikoné qui accélère. Le grand pont, Ikoné. La passe pour Galax, oui, le tir et le but de Galax, superbe, 15e minute de jeu, but de Galax, à l'affût de la moindre occasion, quel renard des surfaces, yes, ça c'est du lourd, 1-0 pour le LOSC, et déjà un but pour Margalax, ça va mieux, et oui, il a été mis de côté un petit peu par le coach pendant 2-3 matchs, pendant 2 matchs hein, pour être plus précis, et là vraiment, il réagit, c'est bien, il faut réagir sur le terrain, bien placé au bon moment, c'est super. Ah bah voilà, petit plat du pied, impeccable. Oui monsieur Galax, c'est comme ça qu'il faut jouer, là tu vas faire plaisir au coach. Allez, très très bien. Et donc c'était un objectif de marquer un but en 4 matchs. Alors je vous l'ai dit, match, là on commence face au FC Nantes, ensuite il y aura Bordeaux, il y aura Marseille, et je sais plus qui c'est qu'il y a après, mais bon bref, c'est quand même des équipes plutôt pas mauvaises en Ligue 1. Donc effectivement, qui risque de nous donner du fil à retordre, pour ainsi dire. Allez, on va essayer d'avancer avec Margalax. Tu m'as vu mon pote, dommage, j'ai voulu tenter. 8-5 du coup pour Galax, très bonne note pour lui. Je suis assez content voilà, de ce début de rencontre. C'est vrai que ça fait plaisir de marquer un but, ça délivre franchement. Et alors on m'a dit dans les commentaires, alors bon, il y a un petit peu de tout, il y a des gens qui me disent que je joue vraiment comme un pied et je comprends. Attention, occasion pour les Canaries. Et il y a des gens qui me disent aussi, mais Galax t'en fais pas, c'est normal au début que t'en chies. Merde, quelle connerie. C'est normal au début que t'en chies, tu t'en sors pas si mal pour ce long. Voilà, donc c'est vrai que j'ai un petit peu tout dans les commentaires, mais merci en tout cas pour tous vos commentaires, qu'ils soient effectivement positifs ou négatifs. Il faut un petit peu tout dans la vie, évidemment. Allez, attention. J'ai flippé. Là, je l'ai vu arriver, j'ai fait « what the fuck ». Attention Coco, fais pas de conneries comme ça. Ah, dommage, c'est moi qui fais l'appel. J'ai pas assuré sur le coup.
on fout la pression. En tout cas, le FC Nantes, pour l'instant, qui ne s'en sort pas, qui ne réussit pas à aller très très loin et même pas atteindre la surface de réparation. Tant mieux pour nous. Hein. Voilà, tant qu'il n'y a pas trop d'occasion pour eux, moi, ça me rassure. Allez, je t'ai vu, mon pote. On passe au milieu. C'était un peu tendu quand même pour passer, mais ça passe. Ah, c'est bien joué ça sur le côté. Il y avait hors-jeu ? Ah, j'ai pas vu. Ok. C'est un hors-jeu. Autant pour moi. Donc, il y aura un remplacement toujours comme d'hab entre Pépé et Bamba. Hein, tu peux être sûr. Hein. Comme d'habitude, c'est toujours un petit peu les mêmes remplacements. Allez, tête pour assurer le coup. Passe sur Ikoné. Parce qu'il connaît bien. Non, c'était Ikoné, c'était pas Bamba ni Pépé que je raconte, moi. Je dis n'importe quoi. Allez, Ikoné, maintenant, va Galaxy. Non, je suis hors-jeu maintenant. Je suis hors-jeu, fallait le faire dans la vitesse. Oui, il y a du soutien, ça tu m'as vu. Eh les gars, qu'est-ce que vous avez fait? Moi, j'aurais pas dû faire l'appel de balle, effectivement. Peut-être c'est peut-être une connerie. Contre, allez, Rongier qui lance, c'est bien joué. Rongier directement sur Limbombé. Allez, attention, Touré. La frappe tout de suite du droit. C'est récupéré, Fabio. Est-ce qu'il va pouvoir s'entrer? Il y a danger, hein. Le mec qui essaye de prononcer le nom des joueurs, mais qui les connaît pas. Je suis un imposteur. Incroyable. Allez, ouais, attention, ça va récupérer, non? Non, c'est bon. Okay. Ça me rassure. Ça repart du côté des Lillois. C'est bien joué, bien vu, Barbu. Allez, Galaxou, peut-être en vitesse. Galaxou, qui a récupéré? C'est bien joué. Galaxou, peut-être pour un sang de la muerte. C'était la seule occasion que. Seule chose que je pouvais faire. Ils me disent mauvais centre, mais ça aurait pu être dangereux en vrai. Mais ça l'a pas été. Donc on s'en fout, Galax. C'est comme si tu fais un poteau, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que ce soit dedans. Bah ouais, gros. Ok. Bien vu, ça. Allez, c'est une passe décisive. T'as vu, Galax? Fallait la refaire sur Galax. Aïe, aïe, aïe. Fallait la refaire. Quel dommage. Quel dommage, mon ami. C'est bien joué. C'est con. Allez, je demande la tête, éventuellement. Enfin, du moins, le centre sur moi. Il a pas compris, je pense. Allez, frappe tout de suite. Pourquoi pas? Ça peut donner quelque chose, hein, les frappes dans FIFA. On sait très bien que c'est un jeu qui est assez spectaculaire, hein, dans les actions. Donc pourquoi pas. Allez, fin de cette première mi-temps, les amis. Tout va bien. 1-0 pour le LOSC. C'est pas non plus un truc de fou, mais on est content parce que c'est nous qui avons marqué. Une tentative, un but. Donc pour l'instant, en termes de ratio tir converti, eh ben on est à 100%. Voilà. Que demande le peuple? Eh ben voilà, c'est parfait. Quoique, est-ce que j'ai pas tiré d'autre fois? Eh ben non, une tentative. Eh là, non. Très bien, on n'a que du vert, tu fais preuve d'une vista impressionnante, quel talent sur cette reprise instantanée. Ah ouais, qu'est-ce que tu crois? On a la patate aujourd'hui, on a la pêche. Allez, ouais, c'est parti. Donc, c'est chaud patate, comme dirait l'autre. Allez, comme souvent, interception. Ah merde, par contre je la garde pas, c'est souvent mon défaut. J'arrive à intercepter, à toucher, mais pas la garder. Allez, bien. On l'a vu. Oh! Que c'était dommage. Allez, Ikoné. C'est bien joué, la frappe tout de suite. C'est repoussé par le gardien, c'était une belle action. Le gardien qui réussit à repousser ce ballon. Allez, on est au centre. T'as compris, sur Galaxou, la tête, oh le poteau. Et oui, Ikoné qui récupère, 2-0 pour le LOSC. Oui monsieur, Ikoné. Allez, coup de genou. Là on est content, 2-0 pour le LOSC, on se détache effectivement. Merci le commentateur, merci Hervé, du FC Nantes. Enfin, la tête était superbe sur le poteau. Et le gardien après est dans les choux, bien sûr, et il peut récupérer. 51ème minute, but de Jonathan Ikoné, 3ème but déjà pour lui en Ligue 1 Conforama. Alors je pense qu'il est loin quand même des ténors de ce classement des buteurs. Mais quand même, regarde, comme d'habitude, on va récupérer, mais on va pas pouvoir aller plus loin. Oh, il est passé Galax, incroyable! Incroyable ce qui vient de se passer! Allez! Ah, c'est dommage! Ah, c'est dommage! Il y avait tellement le feu! Les gars, il y avait tellement le feu là. J'ai pas bien compris. Terrible. Parce qu'il en a déjà marqué des bien plus. Allez. Compliqués que ça. Hein. C'est bien. J'arrive mes pieds. Non, faut pas me la refaire. Par contre, la passe c'était pour qui là en vrai? La passe c'était pour qui? Je ne sais pas. Mais ça va être récupéré par les Lillois, ça, normalement. Si c'est bien géré, c'est bien géré. Tu m'as vu? Ouais, bien vu, Barbu. Oh non, le contrôle, mec. Oh, faut travailler ça à l'entraînement. Oh, le contrôle! Eh, t'es pas encore Zizou, toi! Hein. Oh, c'est dommage! Oh, le contrôle dégueulasse! Oh putain, j'aurais eu Zizou! Oh là, par contre, joli là! Joli, allez, action pour les Canaries, pour le FC Nantes! Ça feinte un petit peu, bon, est-ce qu'il va s'en sortir face à deux défenseurs? Oui, il s'en sort! Rongier, alors par contre, ça va être récupéré et dégagé sous la pression! 62ème minute, toujours 2-0 pour le LOSC, on est très très bien! Franchement, je suis serein, je pense qu'on va réussir à aller à gagner ce match et à aller au bout!
Le centre, ouais, ça va être dégagé. T'as bien raison. On envoie sur Galax. Cool. Allez, Galax qui relance. Attention, Galax qui peut se faire piquer la balle là parce que c'est pas le joueur le plus rapide du monde non plus. Ouf, d'accord, je suis passé. Allez, accélération sur le côté gauche. Allez, pourquoi pas. Le centre de Galax. Superbe course. Donc, on me récompense pour ma superbe course. Je me suis crevé. Je me suis crevé la rondelle. Ok. Oh, c'est bien joué ça. Allez, le FC Nantes à l'attaque. Est-ce que ça va fonctionner? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. C'est intéressant en tout cas, première action, on va dire, un peu plus intéressante. Oui, il transpire. Apparemment, il y a eu une faute. Je sais pas ce qu'il a fait, j'ai pas vu. Abdoulaye Touré, le milieu du FC Nantes, carton jaune. Ah ouais, effectivement. Effectivement, c'était un petit peu physique tout ça, monsieur Touré. Carton jaune pour lui. L'arbitre a raison, évidemment. Il a bien vu. Ah, putain. Oui, oui, monsieur. Oh, non. Oui. Tu m'as vu? Profondeur. Ah, y a pas coup franc, là? Sérieux? Y a pas un petit coup franc, rien? Bizarre. Ok, bon, si tu veux. Allez. Oh, mais quelle mauvaise passe. Ah, il joue mal, hein. Il joue très très mal, les autres. Tant mieux, hein. C'est assez incroyable que les fautes de passe qu'ils peuvent faire. Nous, aujourd'hui, on est bien. Franchement, même mon équipe, elle va bien. Ah, la bonne qualité, quand ça va bien, il faut le dire, les gars, ok? Voilà, on est là aussi pour dire quand ça va. Et c'est plutôt correct, il n'y a pas à dire. Allez, bien, il n'y a pas en jeu. Hein. Ah, bon, ballon, belle passe pour Bamba. Bamba qui va revenir sur Galax. Allez, tempo. What? Mais non, c'était pas prévu comme ça. C'était pas du tout prévu comme ça. Récupère-moi ce ballon. Eh bien, on va pouvoir repartir, ne stressons pas, ça ne sert à rien, on mène 2-0, de toute façon, on a gagné, hein, c'est quasiment sûr. 2-0. Ah putain, les contrôles, Galax, tu perds beaucoup le ballon, tu perds beaucoup trop le ballon. Je suis pas content de ma performance, tu vois, j'ai 9,2, bon si j'ai marqué, je suis content quelque part du début du match au moins. Allez, on va essayer de la faire là, bien joué. Putain, mais pourquoi il a pas eu? C'est ouf, pourtant la tête pour moi était bonne, j'ai l'impression que c'est troué. Ça va centrer, attention! Ouais, je pense que ça va finir à 2-0, ils vont pas réussir à marquer. Là, ils vont pouvoir dégager tranquillement. Alors, on m'a dit aussi dans les commentaires, Galax, pense à maintenir le bouton LB de la manette pour replacer automatiquement ton joueur. Je vous rassure, je le fais, je le fais tout le temps. Donc, vous en faites pas, c'est. Je l'utilise. Je me déplace aussi manuellement. Ah, première vraie erreur de passe que j'ai pu voir. Enfin, il y en a eu d'autres, sûrement, mais. Là, elle était vraiment voyante, pour le coup. C'est quoi, ça? Je t'ai pas demandé ça. Oh là, les mecs, vous vous trouvez. Allez, fin du match. Bon, bah c'est gagné, 2-0. Très, très beau match pour le LOSC. Galax qui a fait du bien, vraiment, à cette équipe, on le ressent. J'espère que le coach va en prendre de la graine et qui va nous sélectionner pour les autres matchs, pour les futurs matchs, effectivement, de cette Ligue 1 Conforama. Surtout que j'ai été absent du derby face à Amiens, et ça, franchement, ça m'a un petit peu embêté. Margalax élu joueur du match, un but, une tentative. On n'a pas eu effectivement beaucoup de tentatives, donc non, c'est bien d'avoir marqué effectivement en début de match en plus, assez rapidement. Je suis content dès la 15e, je crois. 16e, ok. Bon, pour moi, c'était 15e, mais bon, je dis 16e, pourquoi pas. Allez, conduite de balle plus 1, homme du match, ça c'est good. Penalty plus 2, homme du match. Ah ouais, c'est vrai qu'en plus, quand on fait des performances plus... D'accord, quand on fait de meilleures performances, on gagne des aptitudes. Avec 50% d'endurance restante. Bah, en même temps, je me suis reposé un moment avant de pouvoir jouer. On m'avait mis sur le banc pendant X match, donc tu m'étonnes que je sois en forme. Ok, ça c'est bien. Et on va jouer également ensuite contre Bordeaux. Alors, est-ce qu'on se fait... Alors, ce qu'on va faire, il n'y a que 2 jours. Donc, je vais rapidement faire les amis. Hop, je vais charger. On va tout simuler. Vous allez me dire, ouais, mais Galax... Oh putain, 2 rangs A quand même. Ah, je suis surpris. Ah, je pensais pas que j'aurais 2 rangs A. Parce que c'est vrai que c'est aléatoire les entraînements, mais bon, quand on est en vidéo, je les fais pas. Je les fais uniquement manuellement. Enfin, si, je les fais, mais je les code. Voilà, tu vois, quand je les fais. Là, pour le coup, je le fais en simulé, vu qu'il y a que 2 jours avant le match contre Bordeaux. Bon. Allez, match à l'extérieur. Et nous sommes retenus, bien sûr. Nous sommes retenus face aux Girondins de Bordeaux. Ça, c'est cool. Nous sommes en jaune. Très bien. Donc Bordeaux qui a leur maillot, qui ont leur maillot à domicile. On est passé à 68 de moyenne générale. Ça, c'est cool. Et encore une fois, un temps clair. Ça, c'est encore mieux. Et ouais, ça, c'est génial d'avoir un temps clair dans le jeu. C'est le pied. C'est toujours mieux que quand ça pleut. Hein. Par contre, j'aime bien quand ça neige. J'avoue. Hop là. D'accord, je t'ai tout le temps à côté. Salut à tous. Merci d'avoir choisi cette rencontre que nous allons vivre ensemble avec Pierre Ménès, bien sûr. Et avec Hervé Matou. Bonjour à tous. Eh oui.
Et bonjour, bonjour, on est parti les amis pour le deuxième match du jour face au Bordelais, face à Bordeaux. Et ce n'est pas Bordeaux Chanel, là. Bref, c'est trop bon. C'est un peu salé, mais c'est bon. Allez, on est parti, engagement pour Bordeaux. Pour les Girondins, on dit les Bordelais ? Non, je pense pas qu'on peut dire. Je sais qu'on dit les Girondins de Bordeaux, mais est-ce qu'on peut dire les Bordelais ? Franchement, avec moi dans les commentaires, je trouve ça intéressant. L'entraîneur a choisi un 4-3-3. Allez, très bien, on ne perd pas le ballon. C'est une belle passe pour commencer. Et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. Ok, tu m'as vu gros. La composition du LOSC, allez, regardez là. On fait passer un petit peu tout ça le comme ça. Tu m'as vu derrière. Tranquille. 4-5-1. Ouais, tranquille, clair, tranquille. Le jeu de l'adversaire. Te précipite pas, gars. On construit. Ah, j'ai pas eu le temps de faire la passe, dommage. C'est chiant. Ouais, j'essayais de construire un petit peu, tu vois, soyons un petit peu tactique quand même. Hein. J'ai remarqué que c'est quand j'étais pas tactique qu'on s'en sentait bien. Allez, eh non, j'ai tenté, j'aurais dû faire une longue passe plus rapide. Je sais que si on maintient RB, on peut faire des longues passes, ça je l'ai appris dans mon entraînement sur les centres. Et je ne le savais même pas dans les anciens FIFA, c'est un truc de fou ça, j'apprends des trucs même encore aujourd'hui. Mais non, mais quelle belle de balle de merde. Pourquoi je fais ça? Voilà, c'est récupéré, je me rattrape un petit peu de ma connerie. Ok, ça c'est bien vu. Ça c'est bien vu, il faut s'appliquer un petit peu sur les passes, hein, mon cher Galax, mon cher Marc. Ou pourquoi pas assez repoussé par la défense. Je demande de ballon, j'ai essayé de faire une tête, j'étais pas à l'heure, j'étais un petit peu en retard. Attention, vous allez vous faire niquer les gars. C'est un peu compliqué la face à Bordeaux, hein. C'est une équipe qu'on sent un peu plus en place tout de même. Oh oui, pourquoi pas. La tête tentative et ça repart, attention au contre des Girondins. Ouais, c'est vite récupéré par les Lillois. Hein. Ça se passe plutôt bien. Allez, on essaie de garder le ballon plus de 2 minutes, ce serait pas mal. Ah, dommage, je partais sur le côté. Franchement, c'est con. Allez, faut qu'on réussisse à s'en sortir. Eh, mais t'as vu comme ils sont? Ils sont combien en défense? Je ne vois que des bleus, il y a un mur bleu. C'est ouf. C'est oufissime. Je vois pas comment on va pouvoir passer en vrai. Oui. Frappe en puissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Galaxo! Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a laissé le ballon. J'y crois pas. J'ai tenté une reprise. J'ai gueulé. J'y ai cru. J'ai cru fort. Ouais, en fait, c'était nul. Ouais, c'est pas grave. Allez, 23 minutes. Toujours pas de but dans ce match. Il est tout à fait différent. Et c'est compliqué. Hein. Bon, attention, il est tout seul. Oh, l'arrêt du gardien. Ah, le gardien qui sauve les Lillois. C'est complètement dingue ce qu'on vient de voir. J'ai pas pu faire la passe. J'ai pas pu. En plus, j'ai fait une faute. Hein. Je l'ai bousculé. Oh, cette action. Le gardien, ce qui t'a arrêté. Ah, oh, il nous a save là, il nous a sauvé. Hein. Ah ouais, incroyable. La tête, là par contre, il nous sauve pas deux fois. Allez, les Girondins de Bordeaux, avec Jimmy Briand qui prennent l'avantage. Eh ouais, c'est compliqué hein, face aux Girondins. C'est compliqué, on n'est pas spécialement favori. Dur, dur, dur. Ah, je sais pas si on est, si on est favori, je pense pas. Passe courte, ouais, ouais, ça améliore quand même le joueur. Là, c'est compliqué. Hein. Allez, Briand qui marque à la 28e minute de jeu. Dur, dur, hein. Dur, dur, bah c'est pas de notre faute, hein, franchement. Franchement, je pense qu'on y est pour pas grand chose, sans déconner. Encore un allez, bon assure, ballon. Assure, mon gars. Je me suis trompé un peu, je voulais même pas faire ça. Allez, je tente. Tire, mon pote. C'est bien joué. Le poteau rentre en super passe décisive. Ah, ça, franchement, on l'attendait pas, mesdames et messieurs. On ne l'attendait absolument pas. Un but partout. Égalisation du LOSC. Yes. Et une super passe, effectivement, de Galax. Qui aurait cru que ça aurait donné un but avec cette superbe frappe du droit? Regardez-moi ça. Très bonne passe, hein, quand même. Mais bon, il s'en est bien dépatouillé. Hein. Sans déconner, là, le poteau rentrant, il est magnifique. Ah ouais, il est magique. Regardez-moi ça. Oh là là. Mais l'IA, des fois, elle fait des merveilles. Hein. Ah, c'est dingue. Hein. L'IA, des fois, elle te place les ballons parfaitement. Et parfois, elle te fait du gros caca. C'est vrai aussi. C'est un peu physique, mais écoute. Allez, pourquoi pas. Thiago Maia. Allez, on essaye de se placer en attaque. Il faut être plus à l'avant, c'est vrai que je suis un peu en retrait, c'est ce qu'on m'a dit aussi dans les commentaires. On m'a dit Galax, c'était un petit peu trop en retrait, il faut que tu ailles vraiment devant. Je te rappelle que tu es attaquant de pointe. C'est important d'être à l'avant pour ce genre de choses. Et vous avez raison. Erreur. Tu m'as vu. Non, quelle connerie. J'aurais même dû tirer, ça aurait été mieux. Ah putain, j'ai fait la passe au Girondin. Oh le con. Il a merdé lui aussi là. Allez, faut essayer de relancer. Bien vu sur Galax. On tente de construire ça. Il l'a bien laissé passer. Bon, Galaxou maintenant, la frappe tout de suite. Aïe aïe aïe. Mauvaise frappe de Galax, c'est con. J'aurais dû appuyer moins sur la touche.
Ah, c'était l'occasion du début 1, ça. C'était l'occasion de la prise d'avantage des Lillois. Aïe, aïe, aïe. J'ai bouffé la feuille. J'ai bouffé l'action, là. Allez. Oh, alors. On arrive tellement à foutre la pression sur les interceptions. Oui, il a bien lu le jeu. Allez, tu l'as vu. Intercepté. Ah, on est utile quand même. C'est un peu brouillon, hein. Tout petit peu brouillon, hein. Je t'avoue que là, on savait plus où on était. Tout le monde se rentre dedans. Tout le monde se fait l'amour. Je comprends pas trop ce qui se... Alors ça, et là, je comprends pas non plus pourquoi j'ai fait ça. Ça y est, c'est il y a eu un blanc là. Quoi équilibrée, hein, au niveau bah écoutez, score, première mi-temps qui s'est plutôt bien passé. Très beau bras de fer, hein, et, de mais c'est compliqué. Vraiment, et les Girondins de Bordeaux là, ils sont chauds tonight. On est à peu près au même niveau. C'est quoi, c'est des jumeaux? C'est fou, les mecs ils sont pas modélisés. T'as l'impression que c'est tous les mêmes. En même temps, t'as plusieurs modèles et ils les mettent plusieurs fois. Soigne ta précision. Ouais, j'avoue, j'ai fait des conneries. Veille à ce que ton partenaire soit disponible pour recevoir une passe courte. Ouais, je sais. Je fais beaucoup ça. Beaucoup d'erreurs de passe du coup. Qui donne le coup d'envoi de la seconde. Allez, très période. Bien. Et pareil, moi, quand je fais les appels de balles. Même chose. Thiago Maillard. Allez, là, on oui, est bien. Là, on est bien. Tu le connais, le fameux but. C'était quoi ça? Mais j'étais pas là, gros. J'allais dire, tu le connais, le fameux but de quand on rentre en seconde période. Eh ben, c'est maintenant. Sauf que non. Ouh, tu serais resté un peu plus comme ça, toi. C'était foutu. Et en plus, j'allais marquer un but direct après. Allez. Allez, construisez les mecs. Repassez à l'arrière s'il le faut, pourquoi pas. Eh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, le contrôle. Oh, le contrôle. Horrible. Allez, Depréville. Attention, ou Depréville. C'est marrant comme nom. Ouh, c'était bien joué la tête. Et dis donc, et c'est risqué, hein, mine de rien. On n'a pas gagné ce match, hein, moi je vous le dis. Hein. En même temps, face aux Girondins de Bordeaux, bon, c'est un peu normal. Allez, on y va. Votre avis sur le ah, j'arrive pas à garder le ballon. 7,4 en tout cas pour l'instant pour Magalax. L'Olympique de Marseille. Attends, mais j'ai même pas le ballon. Et ce sera pour je le pensais que c'était pour moi la touche. Deux équipes qui se valent, du moins sur je le je pensais papier. Vraiment que c'était pour moi la touche. Vas-y, récupère, gros. Tout ça. Non, mais c'est pas vrai. J'ai essayé, hein. J'ai essayé sur un malentendu, on sait jamais. Ça peut arriver, mais là. Au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Ok. Je te la laisse. Non, pas tout de suite, gros, pas tout de suite. Je voulais qu'il me la fasse, j'ai fait un appel, mais du coup, après, j'ai voulu annuler. Allez, je t'ai vu. C'est parti, sur l'aile gauche. Allez, on se met au centre, pourquoi pas. La tête. Non, la déception. Ça va être pour nous ou pour eux? Touche pour les Girondins, je crois. Non, pour nous. Attends, je vais aller au centre. On sait jamais. Si ça change quelque chose au score ou à la physionomie du match. Dommage. Et on a dégagé pour écarter le danger. On va garder le ballon, C'est encore. Enfin, on devait garder le ballon. Avant qu'il fasse cette passe de merde. Très bonne bien joué. Récupération. Allez, ça c'est bien vu. Le centre, il a vu ses coéquipiers. C'est dur, hein. C'est vraiment dur. En tout cas, il y a de bonnes passes. Il se passe de belles choses, mais difficile d'imaginer pour l'instant. Difficile d'imaginer une victoire. C'est très serré. C'était dangereux. Et c'est repoussé. Et la défense, c'est, allez. C'est dégagé. Grand soulagement. Enchaînez les gars, enchaînez. Allez les gars, allez les gars. Pas possible, c'est compliqué, il y a un mur bleu. Non mais t'as vu ce mur? Les mecs, t'as l'impression qu'ils sont ultra défensifs. S'il te plaît. Eh merde. Allez. Allez mon pote. Tu m'as vu. Galaxou la frappe tout de suite. J'ai tenté de croiser. Mais c'est dur franchement. C'est dur. Et tu sens bien qu'au niveau shoot, on n'est pas encore très très bien. Tout à l'heure j'ai fait un miracle, enfin, franchement, on va pas se mentir. Tu l'as vu, accélération, ça passe. Oh là là, mais c'est pas possible. Même l'équipe a du mal là, même mes collègues ils en chient. Hein. Attention, la contre-attaque des Girondins de Bordeaux, Vada. Vers Depréville. C'est compliqué. Pungé. Ouais, bonne passe profondeur, même si un peu longue. Est-ce qu'il va la sauver? Il la sauve. Faire une crise cardiaque, gros. Allez. Garde ballon. Allez, peut-être un ah mais c'est ouf là. Et t'as vu le défenseur, il a failli marquer contre son camp. C'est incroyable. J'aurais-tu demandé une passe en profondeur? La meilleure solution, c'était de dégager. Oh, c'est tellement la pression là, cette action. Et on arrive dans les 8 dernières minutes. Oh là là, c'est tellement la pression de malade. Si le tubeur, tu fais. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu fais, gros? C'est quoi la suite du programme pour cette fois? Bon, allez, je sens qu'on va se quitter sur un match nul. À part si là, Galaxou réussit à tout coucher. Le score me semble logique. Allez, peut-être pour un centre, on sait jamais. Belle idée, mais voilà, repoussé bien sûr, comme d'habitude. Et récupéré par les Girondins.
Allez, peut-être la dernière action pour les Girondins de Bordeaux. Youssouf Sabali. Ouf, la faute. Je l'ai un peu poussé. Un tout petit peu. Disons que c'était physique. Voilà, disons que c'était physique. Bon, on a une bonne note. Je pense pas que le coach va nous sortir pour autant. On a marqué notre but. C'était déjà quelque chose de validé, un bel objectif. La dernière minute. Allez, avant le temps on y va. Dernière minute, les amis. Et on va jouer dernière minute et après, c'est terminé. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Et logiquement, il n'y aura pas de prolongation, rien du tout. Vous vous en doutez, vu que là, c'est juste un match de Ligue 1. Et voilà, c'est fini. Un partout. Match très compliqué, très serré entre deux formations qui avaient à peu près le même niveau. Et je suis plus satisfait de mon premier match, quand même, parce que là, on n'a pas réussi à être déterminant, effectivement, et c'est bien dommage. Mais sinon, ça s'est plutôt très bien passé. Alors, c'est Thiago Maia qui a marqué un but également, qui a la meilleure note du match. Nous, on se trouve à 7,7 parce qu'on n'a pas été très très bon dans tout le reste du jeu. En termes de passes, on a fait beaucoup d'erreurs, etc. Donc, c'est normal que nous ne soyons pas l'homme du match. Ok. Le PSG, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que pour info, ils sont repassés premiers. Enfin, ils sont passés premiers de cette Ligue 1 Conforama. Regardez, le PSG avec 17 points, le Stade Rennais, deuxième avec... Ah non, excusez-moi, ça a encore changé, on est troisième. Oh, le PSG, 17 points, l'OM, 15, le LOSC, on est troisième, bien, 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 14 points, le Stade Rennais, ont 13 points, ils sont quatrième, Toulouse, 13 points également, 12 points pour l'AS Monaco, et l'ASSE qui était premier à la vidéo d'avant, à la fin de la vidéo, il me semble, est maintenant 8e. Ah oui, ils ont dû perdre des matchs, hein. Ça fait mal. Hein. L'OL qui n'est que 13e, font un début de saison compliqué, l'OL, Guingamp, dernier, relativement logique. Bon, eh bien écoutez les amis, on va arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu ces deux matchs, on se retrouve très bientôt, on sera face à l'OM, face à Marseille, et on aura logiquement un match contre, oh non mais j'y crois pas, OM, ASSE, mais c'est trop bien, oh là, le prochain épisode va être terrible, moi je vous le dis, allez merci, j'espère qu'on sera sélectionné, logiquement oui, hein. Merci à tous, on se retrouve les amis très bientôt pour la suite de cette carrière pro, on est à 69 de manière générale, tu te rends compte comment on progresse vite, là en ce moment c'est énorme. Merci à tous, portez-vous bien, n'oubliez pas le petit like de la bourre, le petit pouce bleu qui fait plaisir, abonnez-vous pour ne pas louper la suite de la série et des vidéos sur la chaîne. Moi je vous dis à très très vite, ciao ciao.